venez de dire, on ne met pas les morts sur la table. C'est la différence entre vous et moi. Je dirais même, oui, c'est la différence entre la gauche et la droite. Et c'est la différence entre la conception de la nation, la mienne, et la vôtre. C'est tout le combat, d'ailleurs, au moment de la Révolution, vous le savez très bien. C'est-à-dire que M. Mélenchon pense que la nation, et la France en l'occurrence, est uniquement un contrat entre ceux qui sont vivants. Pour moi, la France est un héritage millénaire. Et millénaire. Et oui, millénaire, M. Mélenchon. La France ne commence pas à 1789. La France ne commence pas avec notre génération. La France a 1000 ans d'histoire. C'est exactement comme ça que commence la France, effectivement. C'est un vieux pays gallo-romain avec des Celtes, avec des Ligures, qui se mélangent. Qui se mélangent, pas qui se créolisent. Parce qu'il y a une culture commune. C'est l'Église catholique qui unifie le pays. Ah. C'est la religion chrétienne. Et oui, monsieur Mélenchon. Mais non, monsieur. Et si, monsieur Mélenchon. Michelet disait lui-même, la France est une conquête de l'Église.